Je vais commencer par présenter mes excuses parce que je vais dévoiler un secret. Un secret qu'on n'ose pas dire. Ce secret-là, c'est tout simplement que nous aimons tous l'argent. Pourquoi nous aimons l'argent? Parce qu'on en a besoin. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous pensons à ça. Et pourquoi ça nous arrive? Parce qu'on n'arrive pas à le maîtriser. Parce qu'on n'arrive pas à le contrôler. Parce que nous en sommes quelque part esclaves. Il faut que nous reprenions le contrôle. Parce que c'est à nous d'utiliser l'argent à bon escient. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous allons voir une stratégie, un plan en 4 points. Ces 4 points nous permettront de faire que l'argent court derrière nous, au lieu que ce soit toujours nous qui soyons en train de courir derrière l'argent. Suivez-moi, on y va. Premièrement, le revenu. Avec le revenu, tu as 3 objectifs fondamentaux que tu dois tout faire pour atteindre. Premièrement, tu dois accroître ton revenu. Chaque jour, chaque mois, chaque année, ton revenu doit augmenter. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut qu'il augmente. Deuxième élément, tu dois diversifier tes sources de revenus. Tu dois être un aimant à cash. L'argent doit venir de partout. Tu dois avoir plusieurs activités qui te donnent de l'argent, ne serait-ce qu'un peu. Le troisième élément, ce sont les pensées. Il faut que tes pensées soient orientées sur comment avoir de l'argent. Comment avoir de l'argent et non comment le dépenser. Avec ces 3 éléments, tu renforces ton revenu. Un peu comme mes cuisses après le vélo. Deuxièmement, les dépenses. De toi à moi, est-ce que l'essentiel de tes dépenses ne sont pas des dépenses de prestige? Est-ce que tu es sûr que tu fais les efforts nécessaires sur tes dépenses? Je ne suis pas sûr de ça. Les statistiques disent qu'en moyenne, une personne dépense 166% de son revenu. Et je suis sûr que tu ne dois pas être loin de cela. En tout cas, moi, je ne suis pas loin de cela. Nous dépensons trop et souvent sur des futilités. Alors, je te le dis, si tu veux vraiment mieux réussir financièrement, il faut que tu fasses attention à tes dépenses. C'est clair. Troisièmement, l'épargne. Écoutez-moi bien, c'est un secret. C'est une chose très importante. L'essentiel, ce n'est pas ce que l'on gagne, c'est ce que l'on garde. Je vous donne 2 exemples. Mathieu et Ali. Mathieu gagne 1 million par mois et il dépense 1 million par mois. Il a 0 d'épargne. Ali, lui, gagne 350 000 par mois et il dépense 250 000 par mois. Il a 100 000 francs d'épargne. Ne soyez pas étonné d'entendre un jour plus tard que Ali est plus épanoui que Mathieu. C'est ça qui fait la différence. La différence ne réside pas dans ce que l'on gagne, mais dans ce que l'on arrive à garder. L'investir. C'est là où les richesses se créent. C'est tout. Épargne. Quatrième élément, les investissements. Il faut investir, mais faisons attention aux investissements. Les pyramides de Ponzi, les opportunités trop belles, il faut s'en méfier. Il faut vraiment s'en méfier. Moi, ce que je vous conseille, au lieu de chercher à saisir les opportunités, il faut en créer. Monter des business, prenez et investissez. Vous aurez votre bénéfice là-dessus. Et d'ailleurs, en parlant d'emprunt, je voudrais vous dire, et ça c'est très important, écoutez-moi, surtout mes camarades qui viennent de commencer à travailler. L'argent, les emprunts, ce n'est pas pour payer une nouvelle voiture, ce n'est pas pour se marier. C'est uniquement pour investir et se faire de l'argent. C'est tout. Je coach, on reprend. Au fond, pourquoi c'est si important de maîtriser ses finances personnelles, de contrôler son argent? Parce que si tu ne le fais pas, comment peux-tu prétendre investir, entreprendre? C'est impossible. Il faut d'abord s'appliquer la rigueur, la discipline avant de pouvoir entreprendre. Si tu ne le fais pas, ça ne peut pas marcher.